bonsoir, merci de nous retrouver dans nous la musique. Ce soir, nous accueillons un artiste qui est vraiment engagé dans ce qu'on appelle le gospel et une chanteuse qui est sur la scène mauricienne depuis bien longtemps. Il y a toujours un message intéressant à faire passer pour tous les cœurs du monde. Ce soir, nous avec Pamela Cicéron. Pamela, bonsoir. Bonsoir. Ça fait nous vraiment plaisir pour vous accueillir justement sur le plateau nous la musique. Et avant toute chose, est-ce que tout va bien? Qu'on content de dans l'express? Bien sûr. Première fois que nous? Première fois. Pamela, on fait que tu as un nouveau morceau récemment qui s'appelle Tous Moléqués. Mais avant de commencer ce morceau-là, on a envie de un petit peu les débuts de Pamela Cicéron, comment elle a découvert la musique et qui nous pousse justement pour aller vers la musique. Eh bien, mon début, on commençait, c'était à la chorale de Sainte-Thérèse, à Curie. Mm-hmm. J'étais en chorale de 11 heures, j'étais à l'âge de 14 ans. Mm-hmm. On continue à la chorale et après à l'école, au collège, on participe dans plusieurs fancifères, quand on finit santé. Et aussi, mon concours à la télévision, à la radio, quand on décroche plusieurs cadeaux, plusieurs prix à la première place aussi. Et voilà, mon coyenne commence par ça. Et après, au fur et à mesure, elle me rentre dans une vraie carrière musicale. Pourquoi cette envie, ce désir de démarrer par ce qu'on appelle gospel dans une chorale? Nous connaissons beaucoup ça en théâtre. Commence dans une chorale, comme une grande école, ça là même qu'on apprend tout là. Exactement, c'est une grande école. Pourquoi la chorale? Moi, pensez la plus. Plusieurs personnes commencent par chorale parce que c'est un esprit d'équipe aussi. Mm-hmm. Et on a plusieurs chanteurs, plusieurs chanteuses ensemble dans une chorale. Là, il y a un esprit d'équipe, un esprit de travail ensemble aussi. Nous commençons par ça, on apprend aux autres aussi, des autres, qu'ils ont fait. Mm-hmm. C'est par rapport à ça, mon pensée. Et là, vous continuez dans la chorale, arrive un moment où vous voyez qu'il y a un morceau qui sort aussi. Que ce morceau-là est tellement populaire, fan porteur. Tout le monde dit, mais il y a une chanteuse qui appelle Pamela, c'est un morceau Jalousie avec Wilson Félix. Exactement. Donc, il a fini de commencer à partir de là avec Wilson Félix. Mm-hmm. Wilson Félix, c'est un timon connu. Hein, Marie Santé aussi, c'est un joli plime. Populaire. Et sur la voix, c'est une voix unique. Mm-hmm. Nous faisons un morceau ensemble qui s'appelle Jalousie. Et ce morceau-là, comment nous dire, c'est un morceau qui passe beaucoup de messages et beaucoup de timon finit contre ce morceau-là. C'est par rapport à ça que timon est connu. Qui est l'artiste justement, qui est santé, qui inspire ou qui ou même au content écouter, l'artiste qu'on veut écouter ou même qui a envie d'écrire, qui est l'artiste santé là, ça ou une idole? Idole, on va pas dire moi une idole, moi une seule idole, on va pas dire qui moi une. Mais ma santé, ce qui m'en plie content, c'est Céline Dion. À l'époque, Whitney Houston, Mariah Carey, ma belle voix qui me pensait beaucoup mauricien content et à l'extérieur aussi content. Moi une content, ça m'a une qualité santé là. Et c'est ça qui me pousse moi aussi à persévérer par rapport à la musique. Et la musique qui représentait vous, parce que là, quand on écoute, comme on connaît, on commence par le choral, quand on dit moi qui bande santé, je vais écouter, c'est tous bande chanteuse avec bande la voix incroyable. Exactement. Donc, je finis de comprendre un petit peu de qui file où était. Oui. La musique qui représentait pour vous. La musique, c'est une grande chose. Hein. C'est l'esprit de portage. La musique, même quand vous êtes en difficulté, vous écoutez la musique, vous sentez-vous relax. Mm-hmm. Maintenant, pas toute la musique qui est adéquate pour certaines personnes. C'est vrai. Mm-hmm. Mais quand on écoute la musique, c'est un message aussi qui nous fait passer. Mm-hmm. Et si nous comprenons le message, hein, il est vraiment formidable. Parce que la musique, c'est ça. C'est un moment de détente, c'est un moment de tranquillité d'esprit quand nous écoutons la musique. On vous rappelle sa première fois où tu sentais devant du monde là? C'est un track extraordinaire. Raconte-nous. Comment ça s'est passé? Parce que vous trouvez là, avec les temps, on évolue dans la musique, ou confirmé dans la musique, vous sentez bien, on a beaucoup senti. Mais c'est la première fois que vous sentez, comment dire, et ça pour moi là, c'était quand? Première fois, comme tu dis, c'est même dire quand l'école, l'époque l'école, collée, c'est une autre affaire. Hein? Oui. Nous connaissons là, nos camarades ensemble, nous là, nous pouvons sentir avec elle, l'équipe, les parties aussi, ça. Mm-hmm. Ça, c'est ça. Mais quand nous pouvons sentir devant un public, c'était Festival Créole, je me rappelle. Le premier Festival Créole qui m'a offert, c'était il y a bien longtemps de cela. Mm-hmm. Comme on trouve ça public là devant moi, franchement, vous dire, moi-même, je me sentais un trac à l'intérieur de moi. Quand si je ne pas tenir mon pied ici peut trembler ensemble. Ah oui, je comprends. Mon pied, mon lame, partout peut trembler. Je me sentais une blinque un coup. Mm-hmm. Mais vu le fait que tu es la scène et la public devant toi, tu as continué à persévérer, sentir ce que tu as envie de faire, tu as besoin de faire. Mais c'était ça le premier trac qui m'a gagné. Mais après, au fur et à mesure, quand tu participes dans plusieurs concours, plusieurs festivals créoles, tu te sens toi à l'aise là. Mais le track, là, hein, au commencement, comment tu rentres loin de la scène, peu importe où tu étais, tu peux gagner ce petit track là. Mais avant, comment tu sentais ça? Comment ouvrir la bouche finie? Oui, après, j'ai allé.
pour quand nous besoin certaines santé, c'est moi nous connais quand une santé, il besoin aller créer une santé, il a une réflexion, il a une inspiration. Mm-hmm. Mais pour quand vous décidez pour certaines santé, pour créer une morceau, de qui ben ça fait qui vous inspire, ou de qui ben ça fait qui vous basou, et qui ben le message ou envie de passer justement. Franchement, vous dire par rapport, moi, je plus côté gospel. Je écris plus ce côté gospel. Gospel. Mon monsieur, il écrit plus côté variété, c'est grave, ça fait comme ça, mais toujours dans une direction que nous fait un message passer. Moi, être mon monsieur, pareil. Qui pousse moi à écrire ma santé qui touche les cœurs, premièrement, c'est tout simplement quand nous péguetons, ce qui peut arriver dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses qui nous besoin trouver. Moi, une chrétienne. Oui. Ok. Je connais la Bible et je suis dans ma conviction que ce qui est écrit là-dedans est livré. Et c'est pour ça que je me tous ce man l'écrire par rapport à man... c'est ce qui est là dans la Bible qui me dit. Et je connais beaucoup d'âmes pour toucher par rapport à ça. Donc la musique, c'est une mission, une façon. C'est pour... une mission, c'est un portage, c'est une mission aussi. Et quand nous continuons, justement, dans le Coréen, il y a une dizaine de titres. Est-ce qu'il permet tout le monde qui est là? Il y a un morceau qui vous affectionne le plus, qui vous dit ça c'est mon best. Je te donne mon cœur. Qui fait? Nous connaissons ce morceau-là, qui est bien écrit. Beaucoup de gens sont touchés par ça. Mais peut-être que nous avons une histoire par rapport à ce morceau-là. C'est quoi? Je te donne mon cœur. C'était une santé qui déjà existait. C'était une... J'ai oublié le nom de la chanteuse. Mais quoi, il appelle Sandra. Qui nous fait ce morceau-là. Mais chaque fois que je écoute ce morceau-là, j'ai un feeling pas possible. Moi-même, moi, j'ai un feeling pas possible. Quand il touche moi. Je reprends ça et il y a beaucoup de cœurs qui finissent touchés par rapport à ce morceau-là. Quand je passe, je me dis, je te connais, je suis en difficulté, je écoute ce morceau-là, je me sens soulagé par ça. Et c'est ça le but. Et moi aussi, je me touche par ça et les autres, je me touche par ça. Quel est le moment de vous croyez que vous considérez comme un meilleur moment que vous vivez? Meilleur moment, mon vie est meilleur moment et un meilleur moment à vivre encore. Meilleur moment quand tu trouves les uns les autres. Paritole, hey Pamela, si c'est on s'amuse aux olives. Bonjour madame, moi j'ai une photo avec vous. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Quand du moins chez toi comme ça, moi content ou santé ou soit puissant un bout de morceau, de morceau, lui fait un grand plaisir. C'est ça mon meilleur moment qui m'a gagné. Et après aussi, il y a beaucoup de moments qui nous, mon meilleur moment qui nous passait dans nos vies musicales, mon rencontre, mon artiste, comment tu gagnes Gérard lui, tu gagnes mon grand artiste. Qui te rencontrer. Et voilà. Une petite question qui, justement, me compte un peu ça, une santé qui est engagée dans la musique pour passer message, dans le gospel. Nous connaissons quand nous, dans ce registre-là, nos missions, c'est passer message, tout ce qui est. Exactement. Est-ce qu'il est facile pour rester dans, sa, dans ce qui nous fait gospel sans qu'il nous bascule dans ce côté qui appelle commercial, variété là? Le problème aujourd'hui, c'est que gospel, enfin, pour certaines personnes, hein, certaines personnes gospel c'est la bienvenue, mais pour certaines personnes non. Je n'ai pas encore assez l'esprit, pas encore comment dire, pas encore ouvert pour accueillir ça. Mais quand ça rentre dans toi, tu l'accueilles facilement, tu peux comprendre. Quand tu es parti variété, moi fais aussi variété. Mais c'est moi fais variété, c'est plutôt mon message qui passe. Ok? Je ne suis pas pour santé qui m'a déjà sorti en diocat, mais je suis en santé qui fait un message passer. Voilà. Là où il y a un nouveau morceau qui s'appelle Tous Moléquiers. Tous Moléquiers, c'est ça. L'histoire de ce morceau, justement. Ce morceau-là, il a écrit un an de cela. Nous disons, nous pouvons faire un album gospel. Et là, nous disons, mais pourquoi pas nous faire ce morceau-là? Tous Moléquiers, nous travaillons, moi et mon monsieur ensemble. Et quand tu trouves, c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui est malade, il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas nous pour aller, nous pas connaît qui nous pour faire. Mais si vraiment nous avons ça bon, dans nous la vie, tout quitte chose vient facile. Mais c'est ça un message qui nous tient envie de faire passer. Vous trouvez qui vous passe message ou tous les cœurs pour un monde avec une vision comme moi, vision du monde comme moi qui ont envie tous les cœurs, quelle vision du monde actuel là, quand nous qui peut passer. Que ce soit en thème de la musique, que ce soit en thème de tout ce qui nous pète en dé, la guerre pas ici, inondation pas là. Quelle est votre vision du monde là? Vision là, c'est une seule chose. Hein? Je pense que tout le monde est comme ça. C'est qu'ils ont envie de vivre dans un pays qui est tout meilleur. Tout qui se passe bien, nous peinons la guerre, nous peinons l'inondation, nous peinons la catastrophe. Mais les temps ont évolué avec tout qui se peut passer. Je pense que c'est nous-mêmes qui avons un sens nous avant. Si nous sommes nous-mêmes, nous trouvons tout facile, comme on dit avant, nous trouvons tout facile, c'est tout simplement de croire.
c'est tout. Quoi et quant au quoi, tu sais qui tout pour correct. Faire la musique à Maurice, c'est facile pour vous en tant qu'un artiste, comment vous trouvez? Faire la musique à Maurice avec l'évolution, l'évolution de la musique qui est arrivée actuellement, c'est vrai, c'est compliqué. Hein? Mm-hmm. Là, n'est plus, comme on nous dit, à ce stade, tout ça fait passeport pendrive. C'est vrai. Mm-hmm. Tout ça fait technologie. Pour te tirer un album, tu peux dire, tu fais un album, oui, mais ben, n'importe quoi, c'est ton album, parce qu'il fait tout ça fait passeport pendrive à ce stade. Oui. Mm-hmm. C'est compliqué de ce côté-là. Et c'est facile aussi d'un certain côté qui. Te chier quand tu peux aller santé, qui est pareil comme on a un festival créole, une affaire comme ça, qui finit organisé par le ministère. Te chier qui quand tu peux aller, te connaît dans le public avec toi, puis encourage toi. Mais concernant la musique, là, pour ton album, il est vraiment compliqué. Préfère te faire un single, ou soit des singles d'une année, qui te fait un album. Mais quelque part dans la tête, tu poses l'album encore et fini là ou une projet là, voilà. Projet là, tu là, mais comment on peut dire toi là. Avec ça, man, les temps qui peuvent évoluer là, l'album nous disait à revoir, à revoir. Après tout ce moléqué là, qui les autres projets peuvent venir. On ne connaît pas, mais là, il ne va pas arrêter là. Il ne va pas arrêter là. Parce que là, comment on a fait pour ce moléqué, il faut écrire. Nous ne va pas arrêter là, nous avons un projet pour faire le clip aussi. Oui. Tout ce moléqué, nous avons un projet pour faire ça, nous finissons faire le clip. Après, nous disons si nous disons faire l'album là, cette année là, ou l'année prochaine. Le morceau tout ce moléqué, il est déjà disponible, le band plateforme. Le band plateforme, exactement. Le band plateforme est disponible. Et comme on nous dit, là, moi, mon producteur, ce n'est pas Mauricien, Yann Rayonné. Oui. Il s'appelle Dominique Veolia. Mm-hmm. Tout ça fait passe pour lui après. Il est là, nous l'avons, les Maurice ici. Nous avons déjà fait un morceau avec Wilson Félix. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont okay, content de collaborer ou dire vous-même, mon récit, s'entend ça du monde là une fois. Il y a des gens qui sont l'écriture ou sentent-ils proche de son écriture de son façon sentie. Désiré François. Désiré François, bien content de sa émission. Il est à nous, là. Vous connaissez. Tout le temps, pour dire c'est Désiré François. Moi, tu peux content soit au lien. Pas connaître à l'avenir, on ne sait pas. Et voilà, Désiré François, c'est une santé qui, bien longtemps, tout le monde connaît, tout le monde content sur moi. C'est vrai. Il y a aussi un message qui passe, et un message qui est réel. Et voilà. Désiré François, puis cette émission ce soir. Encore une fois, encore une autre, si tu avec vous, monsieur Désiré, vous voulez vous lever. Et Pamela, nous trouvons, moi, sur tous les lesquels il est déjà disponible. Quel serait le message à Ban Dimoun qui peut cette émission ce soir, qui trouve vision des choses, qui comprend Pamela, vers qui style y aller, qui va le message y passer, qui peut le découvrir au mot cela. Côte ça capable, suivez-vous. Qui message vous a passé au Ban Dimoun qui peut guetter? Côte ça, vous êtes capable, suivez-moi. C'est le mot passe Facebook Pamela Cicero Ortiz. Et donc là, vous pouvez gagner toute mon actualité qui est là, toute mon nouveauté qui peut sortir, tout mon conseil qui peut faire aussi, tout mon nouveau morceau. Et qui met ça, moi, tu as envie de passer, okay, par rapport à plusieurs santé qui m'ont une santé. Je pense que je te connais, qui est mon morceau. C'est mon morceau qui comme si c'est mon message qui peut faire passer. Il y a plus d'une dizaine d'ailleurs de morceaux. Plus d'une dizaine de morceaux. Et voilà, je connais, il y a plusieurs du monde qui sont contents de mon style de morceau là. Et le message qui m'a envie de faire passer, c'est l'amour, la paix, la fraternité. C'est toujours la même chose. Et nous pouvons imaginer aussi qu'il n'y a pas qu'à la voix comme ça même, nous pouvons avoir un souffle comme ça même, nous pouvons avoir la vie comme ça même. Si nous gagnons ça, c'est qu'il y a un créateur qui vient nous faire ça pour nous. Et nous avons dit merci aussi, tout le temps pour dire merci bon Dieu, pour ça l'amour que tu me donnes moi, pour ça la vie que tu me donnes moi là. Et merci, et il y a du monde qui écoute mon santé et qui fait l'équipe du monde touché par rapport à ça. Merci beaucoup, Pamela, où nous avons une sagesse contre nous là. Merci, c'est tout le monde qui nous braque un coup de pied écouter. Merci beaucoup pour toute sagesse que vous nous amenez. Merci pour vos présences contre nous. C'est tout. Bonne continuation de vous courir. Comme on nous dit avec Patrice, une vingtaine de fois, pas une vingtaine de seules fois, une vingtaine encore. Vous pouvez me dire que vous êtes bon. Tous me les cœurs. Merci beaucoup, Pamela, pour vous. Merci tout de même pour cette invitation. Moi, je voudrais remercier aussi mon producteur à La Réunion, aussi Samir, qui fait mon premier producteur, c'était Samir. Hein. À l'époque avec Wilson Félix. Kevin Joseph, Riley, ce garçon, Vincent Kérin qui finit accompagnement aujourd'hui. Un grand merci pour tout le monde qui me soutenait, moi, mon maman, tout, parce que quand ça a fait répétition, à la santé, c'est autres qui veillent mon enfant. Et voilà. Un grand merci à tout ça, mon monde là, et aussi mon auditeur, auditrice qui peut écouter actuellement, mon fans, mon vieux, un gros bisou. Merci beaucoup. Toujours sagesse, Pamela. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Zofine Guetnou, avec Pamela Cicero, donne-nous la musique. Non, pour les autres comme ça, pour les autres avec Pamela, qui me donne un petit bout de son morceau qui appelle
tous Molekir. Pour Anne Saint-Michon, là, possible, avant tout, moi, je dis merci à Pamela pour sa présence. Merci à, comment vous rappelez-vous, moi, le musicien s'appelle Vincent Quérin. Monsieur Vincent Quérin, qui vous trouve dans pas longtemps, qui vous sent, qui avec Pamela sur le plateau. Et aussi à Patrice Lajoie et à Belle Pelle, qui rendent l'émission nous la musique possible. Nous avons nous présentons nos excuses la dernière fois, pas fini dans l'émission la semaine dernière par rapport à les autres vidéos qui nous font. Mais vous êtes capable de continuer à suivre nous. Et c'est avec Pamela qui nous répond avec un message positif. Tous Molekir, merci et bonne soirée sur la page Facebook de l'Express Maurice. Tous Molekir, tous nos la vie, tous nos familles. Seigneur, mon besoin de présence pour moi avancer. Sans toi, mon n'a pas ennuyé. Tous Molekir, tous nos la vie, tous nos familles. Seigneur, mon besoin de présence pour moi avancer. Sans toi, mon n'a pas ennuyé. Mon mot n'a pas ennuyé. Quand ils vont souffler bien fort. Grâce pour tout, quand toute la peau fin fermée, ma connaît que tout poilé, maladie n'envahit tout l'écho, docteur fin condamne toi, laisse-moi dire toi, il n'a une solution, prends tout mes dents sur la main. Dire histoire, tous Molekir, tous mon la vie, tous mon famille. Seigneur, mon besoin de présence pour moi avancer. Sans toi, mon n'a pas ennuyé. Tous Molekir, tous mon la vie, tous mon famille. Seigneur. Mon besoin de ta présence pour moi avancer. Sans toi, mon n'a pas ennuyé.